Mesdames et messieurs les parlementaires, maires et élus, mesdames et messieurs, chers amis, bonne année 2015. J'espère qu'avec la solidarité et le rassemblement de toutes les forces démocrates, 2015 devienne l'année de la défaite, du terrorisme, de l'intégrisme et de l'extrémisme sous le couvert de l'islam, en France, au Moyen-Orient et partout dans le monde. La résistance iranienne, qui a perdu 120 000 membres dans la lutte contre le fascisme religieux, partage la douleur des familles des victimes. Ces crimes odieux prennent un caractère particulier car ils tuent sauvagement des journalistes et en plus sous le couvert de l'islam. C'est pourquoi, tout de suite, au nom du peuple iranien, et de sa résistance, je l'ai condamné avec les mots les plus fermes et j'ai annoncé en tant que femme musulmane que les enseignements de l'islam et de son prophète sont étrangers à ces sauvageries et les rejettent. Aujourd'hui, les Français ont raison de démontrer leur magnifique rassemblement où nous avons participé car nous sommes aussi solidaires avec eux. Les intégristes combattent la démocratie, la liberté, l'égalité et les lumières pour apporter la tyrannie et l'obscurantisme, mais ils ne vont pas gagner. C'est Khomeini qui, sous les yeux effarés du monde, en lançant une fatwa de mort contre un écrivain Salman Rushdie et tous ses traducteurs et éditeurs, a fondé à notre époque ce terrorisme barbare. Il a déclenché une source de mal qui a plongé aujourd'hui les peuples du Moyen-Orient dans le sang et la tragédie. Ce mal qui, le 7 janvier à Paris, a cruellement visé les valeurs de la République française. Oui, la présence d'un régime terroriste, barbare et intégriste au pouvoir à Téhéran constitue le moteur de tous les mouvements extrémistes sous couvert de l'islam. Mais qui, à la fin du siècle dernier, a relancé la lapidation, les amputations et même arraché les yeux, les mollahs de Téhéran? Qui a inventé l'exportation du terrorisme pour créer un califat islamique? Les mollahs de Téhéran. Les dirigeants du régime des mollahs ont gardé le silence devant ces crimes odieux, mais tous, du président du Majlis jusqu'à l'imam du vendredi de Téhéran, veulent se servir de ce crime terroriste pour faire du chantage et du marchandage en disant à la France que pour garder sa sécurité, elle doit changer sa politique en Syrie et soutenir la dictature d'Assad. Chers amis, l'année passée a été une année pleine de tensions pour l'Iran et la région. En Iran, la mise en scène de la modération des mollahs a échoué avec 1200 exécutions en 18 mois. Une vague d'agression à l'acide contre les femmes et un tsunami de chômage et d'augmentation des prix. Ils ont aussi gaspillé une partie de la richesse du pays en la donnant aux dictateurs syriens. Donc, il faut rappeler la phrase célèbre de leader de la résistance iranienne, Massoud Rajavi. Il a dit « Un vipère ne peut accoucher d'une colombe ». C'est pourquoi il n'existe pas de modéré dans le fascisme religieux. Il y a 14 ans, certains pensaient qu'en faisant
des concessions à cet ennemi de l'humanité, il pourrait se modérer. Vous vous rappelez qu'ils ont ouvert un lourd dossier en justice contre la résistance iranienne en France, avec une grande attaque le 17 juin 2003, des mises en examen et beaucoup de pression et de calomnie. Heureusement, nous avons tenu bon avec dignité. On peut tirer ici une grande leçon politique. Quand les gouvernements occidentaux répriment et mettent dans la liste du terrorisme les moudjahidines du peuple iran, le plus grand mouvement musulman organisé et profondément anti-intégriste et anti-terroriste, et que ces gouvernements focalisent contre lui l'énergie des appareils policiers, politiques et judiciaires, alors l'intégrisme et l'extrémisme islamiste et le terrorisme qu'ils génèrent trouvent le terrain favorable et l'opportunité pour se développer. Heureusement, en 2014, la justice française a fermé le dossier du 17 juin 2003 contre la résistance iranienne. Mais après le non-lieu, les mollahs ont fait appel. Cette fois, ils ont fait une grave erreur, car l'appel a été déposé au nom d'une personne décédée il y a 9 ans. Maintenant, pour reprendre le canard enchaîné, on peut dire « Debout les morts à la cour d'appel de Paris ». Chers amis, en 2014, l'émergence de Daesh a créé une crise internationale. Au point de vue idéologique, l'extrémisme sous couvert de l'islam qui menace aujourd'hui toute la région est un des produits du régime iranien qui s'efforce depuis 36 ans de se développer. Le régime iranien et ses gouvernements alliés en Irak et en Syrie, en réprimant et massacrant la population avec un génocide des sunnites, a ouvert la voie au développement de l'extrémisme dans ces pays. Et les mollahs iraniens cherchent à sortir de leur propre crise sous le couvert de la lutte contre l'extrémisme, et leur lobby insiste sur la nécessité de faire entrer l'Iran dans la coalition mondiale contre Daesh. Comme l'a déclaré Massoud Najafi, cela fait déjà 30 ans que la résistance iranienne a dit que la dictature religieuse et terroriste en Iran est le foyer de tensions et de l'exportation du terrorisme et de l'obscurantisme au Moyen-Orient et dans le monde.